Salut tout le monde, bienvenue pour cette vidéo d'entraînement à la tour du Million Dollar Challenge. Alors pourquoi juste un entraînement et pas la vraie tentative du Million Dollar Challenge? Eh bien c'est simple, c'est parce que pour finir cette tour, il faut faire les 15 matchs en une seule fois et les gagner évidemment tous, hein, c'est le but. Si on s'arrête ou si on perd un match, on recommence. C'est une tour de type Gauntlet. La plupart des tours sont de type marche, donc on peut s'arrêter, on peut faire des pauses entre les matchs. La progression est sauvegardée, donc on peut très bien quitter et éteindre la console. Pour le type Gauntlet, ce n'est absolument pas le cas. Donc il faut faire les 15 matchs en une seule fois sans éteindre la console, sans sortir du mode de jeu. Et donc pour moi, c'est un petit peu compliqué, comme vous le savez, avec mes études, vu que je ne suis chez moi que les week-ends et que le week-end, j'enregistre des vidéos en masse. Donc il faut vraiment dégager beaucoup de temps pour faire ça. Donc j'ai commencé par faire quelques matchs, évidemment, pour cette tour du Million Dollar Challenge. Alors à ce moment-là, je ne savais pas que si je m'arrêtais, je perdais ma progression, mais c'est pas très grave. Donc j'étais dans les conditions, on va dire, réelles. Pour moi, c'est bon, j'avais commencé le challenge, et j'ai donc commencé à faire ces matchs-là. Et comme je m'en suis plutôt bien sorti, j'avais envie de frimer un petit peu auprès de vous, et je me suis dit que ce serait dommage que vous ratiez ça. Donc ceci, les vidéos entraînement, lorsque je serai en vacances. Bon, ils appellent ça une semaine d'interruption de cours, parce que techniquement, on va bosser pendant les vacances. Mais bon, en tout cas, j'aurai plus de temps libre, je serai à la maison, et à ce moment-là, effectivement, je ferai mes vraies tentatives pour le Million Dollar Challenge. Parce que bon, quand même, c'est un gros défi, quoi. 1 million de dollars, ça se tente, hein, franchement. Voici donc mon entraînement pour la tour du Million Dollar Challenge. Alors par contre, les réglages de la webcam sont pas bons du tout, hein. Là, vous me voyez super pâle. Alors, je dis pas que je suis extrêmement bronzé, hein, c'est pas le cas, mais bon. Je suis pas aussi pâle quand même. Ça, c'est à cause de la lumière un peu blanchâtre qui arrive par ma fenêtre. Voilà, Bobby est clean, voilà, Bobby est sport, et c'est lui qui attaque le premier. Il y a quoi comme payback et Jay se relever instantanément, ok. Et l'évasion, tandis que Bobby Roode pour gagner un contre avec son payback de niveau 1 et avoir un finisher supplémentaire avec son payback de niveau 2. Alors attention, oui, mais il fait beaucoup de dégâts Bobby là, qu'est-ce qui se passe? Bon sang. Contrer le plus possible. C'est indispensable. En plus on a 10 minutes à chaque fois. Oui c'est bien, c'est bien. Ça nous force un petit peu à carburer. Si on galère vraiment trop, voilà, c'est fini, on a perdu. Dans tous les cas, si les matchs durent très longtemps, c'est mauvais signe. Hein. On prend beaucoup de dégâts et forcément, pour la suite, c'est pas génial. Et boum. Ouais, deuxième corde à linge qui est pas forcément super... super original. J'ai tenté un truc qui n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave. Allez, petit backbreaker, voilà. Peut-être préparer un petit peu la tête de Bobby, hein, n'est-ce pas? Non, pas le bras, la tête. Ou la jambe. Oh, mais oui, c'est un truc auquel j'ai pensé tout à l'heure. Je suis plutôt bon pour les soumissions. Donc il faut absolument que je vise la jambe. Mais oui. Mais oui, mais oui. Tout à fait. Comme ça, coup spécial. Calf Crusher. Ou Calf Killer, je ne sais plus. Si, non, c'est Calf Crusher, on se prend un spear de Bobby Roode, c'est pas grave. Tout va bien. Oula, Bobby qui peut récupérer un contre à tout moment désormais. Bobby qui est en train de nous faire mal. Bobby qui nous balance à l'extérieur, c'est pas très gentil. Olé, voilà, payback réussi, comme ça, on vient l'interrompre, boum. En plus, c'est la classe, et on se fait contrer, oh là là. Contre-majeur de Bobby Roode, ça c'est pas génial. A chaque fois on se dégage le plus vite possible. Le but c'est pas d'impressionner la galerie, le but c'est de gagner tous les matchs. Bon sang, mais en fait à chaque fois Bobby il est pas si rapide que ça pour attaquer. Je pourrais tellement tenter de donner un petit coup de poing furtif là comme ça. Voilà, hop. Alors, est-ce que l'attaque au niveau de la jambe, ça va passer? Ah non, pour l'instant, ça passe pas parce que Bobby est en train de contrer.
Bobby qui nous balade encore un tout petit peu. On a commencé ce match depuis 3 minutes. Ouais. Bon, le premier cadre clochard va peut-être pas suffire pour battre Bobby. Ça, je suis un peu sceptique quand même. Ah mince, en plus ça c'est le Ushigoroshi. Ça reste un coup spécial le card flusher. Ah oui, mais ils ont inversé. Ah, ils ont inversé maintenant le card flusher, c'est le coup spécial secondaire. Ah bah vous êtes vaches les gars quand même, hein, franchement. Bon, maintenant je le sais. Voilà. Le coup de pied dans le dos, parfait. On attaque la tête. Pour le Styles Clash, ou peu importe, le Phenomenal Forearm. Je préfère le coup d'avant-bras, sincèrement. Ah, tu dégages, Bobby, tu dégages. Oh, et le pelé kick, magnifique. Et on attaque encore la jambe. Bon, je l'ai pas totalement fait exprès. Là, c'est fait exprès, on attaque la jambe. Et on pourrait tenter hein, le Phenomenal Forearm. Faut tenter. Bobby n'a pas la révolte. Et boum, voilà, magnifique. Avec en plus le ralenti qui va bien. Yay. Et je pense qu'on vient de battre notre premier adversaire dans cette tour du Million Dollar Challenge. Yay. Bon, ça va. Les adversaires sont chauds, c'est vrai. Mais c'est gérable. Allez, plus que 14. Ok, soumission uniquement pour le joueur. Pas que pour le joueur, c'est pour tout le monde en fait. Soumission uniquement, d'accord. Il faut aussi penser à regarder les détails de chaque match. Là, c'est un match de soumission contre Samoa Joe. Il y aura des stipulations différentes certainement dans ces matchs qui vont nous être proposés. Désolé Joe. Mais nous, ce qu'on veut, c'est avancer. D'autant plus qu'on a pris pas mal de dégâts dès le premier match. Donc ça va être compliqué. Hein. Voilà la petite technique du coup de pied. Histoire d'avoir l'avantage, un coup très rapide et qui permet de prendre le dessus dès le début du match. Là, il faut absolument tenter ces petits trucs-là, hein, évidemment. Évidemment. Voilà, pelé kick. On va commencer un petit peu à attaquer la jambe de Joe. Hop. Voilà, parfait. Parfait. Tant qu'on a l'avantage au niveau des contres, on est bien. Et en plus, Joe ne peut pas contrer. Et on va pouvoir placer le Calf Crusher. On est totalement dans les cordes. C'est dommage. Mais bon. Voilà, là on va faire le truc évident, le truc logique. Ah, il s'est relevé instantanément, l'ami Joe. C'est pas notre ami, mais c'est pas grave. C'est pas du tout notre ami. Et en plus, on lui recolle un contre majeur, c'est parfait. Sauf qu'on a plus de contre, là on est mal. En fait, on est très très mal. Je voulais pas me prendre de dégâts, du coup j'ai tout de suite sorti le contre majeur. Là on est pas mal, on est vraiment en train de faire très mal à Joe. Ok, la jambe dans l'orange, on est plutôt bien. On piétine aussi en plus, non pas de... Mince, du coup là je l'ai raté. Ah mince, et là ça commence à être compliqué mes amis. Bah oui, forcément je me suis bien compliqué la vie. Avec ces histoires de contre-majeur, j'aurais pas dû faire tout ça. Je n'aurais pas dû. Mais bon, cela dit, les soumissions, ça me fait pas trop peur. Hein. Je me défends plutôt bien sur les soumissions et j'attaque aussi bien. Ça va. En tout cas, contre l'IA, le mini-jeu de la soumission, ça, c'est pas un problème pour moi. Ça, c'est clair. Oula, qu'est-ce qu'il nous fait? Ouais, un petit Boston Crab. Regardez un peu, voilà. Hop. De temps en temps, faut croiser. Et voilà. Comme ça, on a l'avantage. Voilà, on va le soulever pour une powerbomb. Oh yeah! Ok. Est-ce qu'on est bien loin des cordes? Normalement, c'est bon. Voilà, parfait. Calf Crusher, et normalement, ça doit être fini là. Là, faut finir, Kev. Dans cette tour, il faut absolument finir Joe le plus vite possible. Non.
En plus, j'ai l'impression qu'il a eu de la chance. Il y a eu le petit cercle vert qui est sorti très très vite. C'est pas très grave. J'ai voulu tenter le Style Clash, mais je me suis pris un contre-majeur. Super. J'espère qu'il y a déjà une prise de soumission qui vise la jambe, une prise normale. Alors on va se prendre un bon, une bonne projection là, un bon petit uranage. Il va continuer. Oh, soumission normale. Bon, pour l'instant, niveau dégâts, ça va. Pour l'instant. On croise. Ah là là. J'arrive tellement à bien le guaquer. Oh là là, c'est beau. Ah, c'est beau. Hop. C'est contré par Joe. Oh, il a tenté. Il a tenté, Joe. Il a tenté. Est-ce que je peux le soulever, Joe, là? Non. Hop. Et voilà. Alors, attendez. Voyons ça. Est-ce que t'as une prise de soumission qui vise la jambe ici, mon cher AJ? Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Magnifique. Magnifique prise. Ah non, c'est une... Ça vise la tête. C'est pas ce que je veux, moi, AJ. Alors, cela dit... Attendez, on va bien le positionner, notre ami Joe. Voilà. On attend un tout petit peu que notre endurance se recharge. Et il va pouvoir s'évader très très vite, j'ai l'impression aussi. Parce qu'il a la, il a ce, son payback. Il peut s'évader. Hein. Et je relâche tout de suite parce qu'il s'est super bien défendu en fait. Mince. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Ah ouais, mais là ça vise le bras. Oh là là. Il y a vraiment que. Ouais, ça peut passer. Ça peut. Oh là là, ça peut passer. Ah, j'ai. Non, je suis allé dans le mauvais sens. Bon sang, j'ai failli gagner sur une prise de soumission sur une partie du corps que j'ai pas du tout travaillé. Alors attendez, on va peut-être travailler un peu la tête quand même. On n'est pas trop mal, hein. Faut juste être sérieux, voilà, parfait. Hop. Phénoménal. Forearm. Donc la tête n'a pas été travaillée, on va tenter une soumission ici. Si ça vise le dos, c'est bien. Ah, il s'évade tout de suite, hein. Il a un peu peur là, Joe. Ah, il a peur. Ah, il a contré... On attaque et on va se prendre the cock in a clutch. Bon, on va tenter de s'évader, n'est-ce pas? Je peux m'évader instantanément. Hein. Bon, hé, j'ai qu'à faire ça tout de suite. Hein. Franchement, voilà, on a subi assez de dégâts comme ça. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. Voilà, ça, c'est bien. Allez, on va se défouler un petit peu sur Joe. C'était barbare, mais ça c'est pas bon, ça nous arrange pas du tout là qu'il descende du ring. Là ce qu'il nous faudrait c'est très vite un coup spécial et là c'est bon. Parce qu'il a pas sa révolte là, elle est pas pleine. Et il nous faut très très vite récupérer. Zut, ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool. Là je me suis mis dans une situation très délicate. Et je viens de me compliquer la vie en faisant une prise qui est très facile à contrer. Encore une fois, hein, Joe, l'ennemi juré d'AJ Styles. Ah, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Je m'en rêve tout de suite parce que je sens qu'il a envie de me faire des trucs pas très cool. Vite, faut contrer tout de suite. Faut contrer tout de suite. Yes, ça c'est cool. Et voilà. Ouh. Super. Et en plus, il est bien placé. Bon, normalement, si on arrive à engager la prise, ça devrait passer sans trop de problèmes. Voilà. Ouh. Allez, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait parce qu'il se défend bien. Il se défend comme un lion. Il se bat comme un lion et il finit par abandonner. Ouh. Alors, c'est pas une expression qui se dit, hein. Il se bat comme un lion, mais il se défend bien. Il vend charmant sa peau. Here is your winner, the phenomenal AJ Styles.
Bon, on n'a pas du tout galéré. Donc 15 000 points. Daniel Bryan, match normal. Pas de décompte. Et c'est tout. Ok. Ah, pour l'instant, on a eu du mal. Hein. Contre Bobby, j'aurais pu m'en débarrasser plus vite. Et Joe a été très compliqué à battre. Un truc qui est bien par contre, c'est que c'est vraiment du vrai gauntlet. On garde les finishers et le momentum. Donc coup spéciaux, finishers et momentum qu'on avait à la fin du match précédent. Ça, c'est bien. Comme ça, on a quand même un petit avantage sur l'adversaire qu'on affronte à chaque fois. Lui, il est frais, certes, mais il n'a pas autant d'armes que nous au début du match. Non, AJ, fais un petit effort, s'il te plaît. Merci, AJ. Un petit peu de spectacle aussi, quand même. Hein. Alors, on va attaquer la tête de Daniel Bryan. On sait que c'est son point faible, n'est-ce pas? Là, il faut contrer le plus vite possible, hein, c'est tout. Magnifique. Boum. Oh, Tornado DDT, c'est ça? Ouais, Tornado DDT. Ouh, pas exactement. Oh. Franchement. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Boum. Phenomenal forearm sur Daniel Bryan. Et on attaque la tête. On attaque la tête comme ça. Si on a une prise de soumission qui vise la tête plus tard, on sait qu'on en a une déjà. Bah du corps. On sera prêt. Voilà, faut prendre un petit peu son temps aussi. Voilà, le match vient à peine de commencer. On n'est pas totalement pressé. Brainbuster. Voilà. Parfait. Oups là, attention. Oh, joli ça, Daniel Bryan. Joli. Il s'est relevé très vite. Il a esquivé ensuite. Ouh, il a sauté un peu plus tôt que ce que j'avais imaginé. Alors, j'ai réussi à esquiver. Par contre, il a réussi à attaquer derrière. Et il fait n'importe quoi, notre ami Daniel Bryan. Il fait n'importe quoi. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Je me suis fait contrer le coup spécial que je voulais pas porter. Bon, je me suis trompé. J'allais enclencher le Card Crusher et pas l'Ushigoroshi comme je le voulais. Qui était selon moi la meilleure option à ce moment-là. Bah du coup, attendez. Ouais, non, c'est un peu trop court, je pense, pour tenter le deuxième Phenomenal Forearm. Donc attention, il n'y a pas de décompte à l'extérieur, mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit de faire n'importe quoi. Évidemment, on n'a pas le droit aux armes. Sinon, ce serait précisé dans les règles. C'est bien contré de la part de Daniel Bryan. Et oh mince! On se prend des yes kicks. The yes kicks, devrais-je dire. Ouch. Ah, c'est un faux. Merci de prévenir. C'est un false count anywhere. Règle du match. Et du coup, disqualification, il y a ou pas? Avec. Donc c'est un false count anywhere avec disqualification. Pourquoi pas? Ah, mais ils se sont dit, ah ouais, mais les gars, ils vont certainement sortir du ring, histoire de se sentir en sécurité. On va pas les laisser faire, voilà, ce sera plus drôle, hein, ce sera un vrai défi comme ça. Les petits coquins. Ah, ce sont des fripouilles chez 2K. Hein. Et ils nous font des farces comme ça, en mode, ah, vous pensez être en sécurité? Bah non, c'est pas du tout vrai. Et voilà, soumission. Ah, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Les soumissions, ça va vraiment me servir. Et c'est là qu'on tombe sur des matchs où on peut pas gagner par soumission, genre TLC, match en cage. Ou plutôt match en cage où on peut pas gagner autrement qu'en s'évadant. C'est là qu'il y a des matchs last man standing. Oh, je serais tellement mal. Pour l'instant, tout se passe bien. Numéro 4. Carl Anderson, oh c'est un pote, et je crois que celui d'à côté c'est Luke Gallows. Alors, match normal, tomber uniquement, d'accord. Oui évidemment, ça va être mon point faible ça, tomber uniquement. On peut avoir les détails du match en mode, voilà les règles, voilà.
Pas de false count anywhere. Ok. Avec disqualification, avec rope break. Ah. Karl, même si on est potes, je te ferai pas de cadeau. Je te laisse avancer vers moi pour que tu puisses tomber dans mon piège. Et voilà, pele kick. Donc pas de soumission, juste par tomber. Purée, mon arme secrète. On me l'enlève. Forcément. Ils savent que je suis trop fort avec ça. Là, typiquement, ce serait le moment idéal pour soulever instantanément. Mais bon, j'ai pas le payback adéquat. Et typiquement, ouais, au niveau provoque, il va falloir faire attention aussi. Va falloir que je. Ouh! Va falloir que je. Que je fasse le plus de provoque possible pour avoir des bonus de dégâts. Alors, par contre, un truc qu'il faut savoir avec les provoques, c'est que pour avoir vraiment le temps de les faire quand l'adversaire est au sol, il vaut mieux que sa barre de santé soit au-delà du vert. Donc là, pour l'instant, je peux. C'est pas prudent d'en faire. Sauf quand il y a des animations un petit peu longues comme ça où il se tortille au sol. De douleur. Voilà, parfait. Voilà, il fracasse son crâne chauve contre le poteau. On va le fracasser également contre la table des commentateurs. Voilà, on enchaîne. Yay, AJ. Yay. Allez, la tête à fond là par contre. Il n'y a pas d'hésitation à avoir. La meilleure attaque ici, c'est celle qu'on porte à la tête. Voilà, magnifique. On maîtrise. Petit contre assez original ici. J'ai pas encore de coup spécial, je suis trop bête. J'ai en déclenché un alors que j'en avais pas. Ah, oh, je suis bête. Ok. Bon, vous pensez que ça suffit si je plante un phénomène dans le forearm? Ça peut, hein. Il est dans le rouge. Il faudrait peut-être deux des coups d'avant-bras. Le problème, c'est que là, au niveau des contres, je suis pas bien du tout. On va tenter quand même. Qui sait? Peut-être que ça va passer. Voilà, regarde-moi, Karl. N'aie pas peur. J'ai eu peur, j'ai eu peur que ça passe pas. Ça a probablement pas passé. Non, effectivement, il se dégage. On va tenter de gagner du temps quand même. Pas trop quand même, hein. Parce qu'il faut que notre contre numéro 2 se recharge. Donc on va. Voilà, là on a tenté de le pistonner un tout petit peu. Et voilà, petit coup de pied derrière. Histoire de conserver l'avantage. Là, je pouvais contrer là si je voulais. Ah, dommage. Le contre-major aurait été pratique. Oula, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Non, c'était une prise normale. C'était une prise normale, j'ai eu peur. Je me dis mince. C'est un coup spécial. Voilà. J'ai cru qu'il allait encore sortir du ring. L'enchaînement. L'enchaînement qui va bien. Hé hey. Hop. Et voilà. Et vous me voyez encore pas, hein. Bah oui, ça s'est assombri depuis tout à l'heure. Ça rajoute un côté dramatique à l'événement. Bon, vous me voyez quand même parce que j'ai allumé les lumières, mais bon. C'est pas le type d'éclairage le plus idéal. Par le haut, c'est vraiment pas génial. Faudrait que j'ai des lampes derrière la télé comme ça, là, ce serait bien. Mais bon, niveau matériel, on fait avec ce qu'on a, hein, pour l'instant. Et bon, effectivement, j'ai l'intention de renouveler un petit peu mon matériel. Et du coup, c'est l'occasion pour moi de glisser un petit mot par rapport à ma page Tipeee que j'ai créée tout récemment. Donc, si vous pouvez, que vous le voulez, vous pouvez effectivement faire des dons sur ma page Tipeee. Donc, lien dans la description, c'est tout en bas, je crois d'ailleurs. Et pour ceux qui ne peuvent pas vraiment faire des dons comme ça avec une carte bancaire,
J'ai fait une demande pour ouvrir un compte Utip, où vous pouvez éventuellement, vous pourrez, dans le cas où ce sera, dans le cas où la page sera effectivement ouverte, regarder des pubs volontairement pour soutenir la chaîne. Voilà. C'est certes que le cinquième match, il y aura certainement des matchs beaucoup plus horribles par la suite, hein, des trucs de torture impitoyables. Alors, règle du match. Ok, match normal, avec disqualification, avec roadbreak automatique, pas de décompte à l'extérieur. Ah oui, ils ont enlevé les décomptes pour qu'on puisse pas gagner de façon un petit peu. Voilà, vraiment pour qu'on gagne par tombée, quoi. Ou soumission. Donc, limite de temps pareil. Donc, match normal. Santé par défaut élevée, sauf pour AJ évidemment. Voilà, boum. Oh, j'ai raté ma corde à linge. Oh, bah, AJ, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, bah, j'ai fait un bel enchaînement là. Je me dis, allez, grosse corde à linge pour finir. Et AJ, il a complètement raté. Oh, quel dommage. Oh, quel gâchis, AJ. Tu m'as déçu. Tu m'as beaucoup déçu, AJ. Franchement, Ah, je suis choqué. Ah, je suis choqué. Pour la peine, on va faire abandonner Luke. C'est bien dommage. Alors, il n'a pas la révolte. Donc ça, c'est un adversaire qui va bien me plaire, je pense. Voilà. On attaque la jambe. On est impitoyable. Tu veux être phénoménal et survivre, tu dois être impitoyable. Tu pensais ne jamais avoir à faire ces choses-là. Never say never. Non, j'ai pas encore le payback. Calme-toi, Kev, t'as pas encore le payback. Et pour l'instant, en 5 matchs, je m'en sors très bien. J'ai même pas la tête dans le gris, ni le corps. Franchement, je trouve que je m'en sors comme un chef. Bon, c'est pas génial, effectivement, pour l'instant. La condition de DJ face à Luke Gallows pour l'instant est nettement moins confortable. Mais on va s'en sortir. Vous allez voir, ça va être incroyable. Donc dans les matchs, on peut placer des soumissions. Évidemment, je vais pas me priver. Excellent. Voilà, petite provoque pour avoir un petit bonus au niveau des dégâts. Ah, t'as mal à la jambe, attends, je vais regarder un petit peu ce que t'as. Ouais, bonne réaction de la jambe, très bien. Tu restes à terre. Je teste un petit peu l'autre jambe. Voilà, la cheville. Petit plongeon parce que. Ah, il s'est relevé. Bon, ça va, ça a touché. Ça a touché, donc tout va bien. Alors, est-ce qu'on aurait éventuellement des prises un petit peu originales ici? Ou là, c'est dangereux, ça, je pense qu'il peut contrer. Voilà, il aurait pu sortir un contre-majeur, ça aurait été terrible. Absolument terrible. Voilà, dès que je peux, j'attaque la jambe. Zone orange peut-être? Oui, ah, ça c'est parfait. Lève-toi, Luke. Hé. Laisse-moi jeter un œil à ta jambe. Malheureusement, il est en train de contrer là. Aïe aïe aïe. C'est dommage. Mais c'est pas très grave dans l'immédiat. Ouh là là, ce shoulder gutbuster, c'est terrible. Heureusement qu'on est dans les cordes. On se l'a dit, j'ai le payback revolt qui est actif. Donc je peux très bien m'en servir pour me dégager d'un tombé très difficile. Ça va être utile à un moment ou à un autre. Pour l'instant, je m'en suis servi que pour la soumission de Joe et j'en ai même pas besoin en fait. Je pense que vous l'avez vu, hein, j'étais en train de me dégager sans trop de problèmes. C'était juste pour pas subir trop de dégâts au niveau de la tête. Voilà, parfait. On va continuer à travailler la jambe. Continuer de travailler la jambe. Continuer. Ah, ouais. Les deux, dans la pratique, les deux se disent. Dans la théorie, je sais pas. Je trouve que continuer deux, c'est plus joli. Donc je vais le dire. On attaque encore la jambe. On était sur le point d'avoir un coup spécial, et Jay, là franchement, t'as. Voilà, fais preuve d'un petit peu de bonne volonté quand même. Enfin. On est bien.
n'a pas encore fait 5 minutes de match. Et on est parti pour le Calf Crusher. Yay! C'est plutôt The Calf Killer. Oh, je sais plus. Oh, il a eu de la chance. Je ferais bien pause hein, pour regarder le nom de la prise, mais en fait, ce serait tellement contre-productif. Voilà. Je peux faire pause, là? Ah mince, j'allais faire pause juste avant le bandeau de vainqueur. Oh, bref, peu importe. Hein. Je crois que c'est Calf Crusher.